Merci, merci d'écouter la Radio Nationale du Mali. Il est 13h à Laragemou, Lélimani et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Plus de 3 millions de cas confirmés et 1400 décès en 2022. Le paludisme demeure la première cause de morbidité au Mali. C'est dans ce contexte que notre pays célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie. Ntayafa ou Je ne pardonne pas, c'est le surnom d'une rue à Bamako. Cette rue a été surnommée par les passagers mécontents des chauffeurs de Sotrama qui les débarquent sans arriver à destination. C'est le grand format de cette édition. Ce qui était une intention est désormais officiel. Le président américain Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024. Il a annoncé aujourd'hui sa candidature sur Twitter. Ils ont choisi d'aider les autres à s'épanouir. Les étudiants maliens à travers le monde mènent des actions de solidarité envers les personnes en situation difficile. Pour mieux coordonner ces actions, ils ont mis en place une association à redécouvrir dans la chronique Initiative citoyenne en fin d'édition. C'est un coup de théâtre dans le football malien. Le Djoliba AC est éliminé de la Coupe du Mali. Il a été battu hier par l'Est Bakaridjan de Barawili. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Siragatou Sissi. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec la 13e session du Comité exécutif national de l'agriculture tenue hier à la primature. Les membres du comité ont fait le bilan de la campagne agricole marquée par de sérieuses difficultés avec comme conséquence la baisse drastique de la production cotonnière qui est de 39 000 tonnes cette année contre plus de 700 000 tonnes la campagne passée. Un point noir qui est loin d'occulter certains résultats positifs obtenus selon le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga que je vous propose d'écouter au micro d'Alcine Touré de la presse de la primature. Les principaux résultats de la campagne agricole 2022, hormis le coton, sont satisfaisants car nous notons 10 090 303 tonnes de céréales et 87 949 tonnes de viande rouge, 1 191 722 personnes assistées par la distribution alimentaire gratuite, dont 34 147 tonnes de céréales. La modernisation de notre agriculture passe non seulement par la mécanisation des modes de production, mais aussi par la sécurisation des terres agricoles. À cet effet, le gouvernement est engagé à travers la politique de développement agricole pour que les équipements agricoles et de production soient mécanisés, disponibles et accessibles aux producteurs. La gestion de la subvention soit améliorée et il me plaît de constater la volonté du département du monde rural d'engager des réformes en matière de distribution afin de promouvoir l'utilisation d'engrais locaux. Le développement des filières agricoles soit intensifié. Que le développement des filières agricoles soit intensifié, tout comme la lutte contre le paludisme, une maladie qui constitue la première cause de morbidité au Mali. En 2022, les établissements de santé ont enregistré plus de 3 millions de cas confirmés de paludisme avec plus de 1400 décès. C'est dans ce contexte que le Mali célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'édition 2023 est placée sous le thème, à savoir il est temps d'atteindre zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. Au micro d'Awa Ditma Kamara, le ministre en charge de la Santé, Djeminatou Sangaré, revient sur le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé. Selon le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 247 millions en 2021 contre 245 millions en 2020, soit une hausse de près de 2 millions de cas entre 2020 et 2021. Au Mali, le paludisme constitue la première cause de morbidité, 43%, et de mortalité, 27%, selon les données du système local d'information sanitaire. En 2022, nos établissements de santé ont enregistré 3 771 426 cas confirmés de paludisme, dont 1 197 864 cas graves, avec malheureusement 1498 décès. Souligne la nécessité de renforcer les innovations et les investissements pour un meilleur impact de la lutte contre le paludisme. Il vise ainsi à accélérer les progrès accomplis par les pays, notamment ceux en voie d'élimination du paludisme, et à relancer le mouvement mondial.
Sur la scène internationale au Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo, directeur du cabinet du président Macky Sall, est le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental selon un décret présidentiel. Il remplace ainsi Idrissa Seck, qui a déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Autre conséquence de cette candidature, les deux ministres de son parti en charge respectivement des sports et de l'élevage quittent également le gouvernement. C'est le premier ministre Amadou Ba qui récupère leur portefeuille en plus de ses fonctions. Au Soudan, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, annonce dans un communiqué que les deux belligérants soudanais acceptent une trêve de 72 heures dans le pays à compter de ce mardi. C'est le fruit de deux jours de négociations avec les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo Di Emeti, précise le communiqué. Ce n'est pas la première fois qu'un accord est annoncé au milieu des combats qui durent depuis le 15 avril entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Au Kenya, le bilan de l'affaire des membres présumés d'une secte qui pratiquait les gestes, les jeûnes extrêmes pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis passe à 83 morts selon la police. Le président William Ruto s'est exprimé hier pour la première fois sur cette affaire qui s'apparente à du terrorisme selon lui. Monsieur Mackenzie s'est fait passer pour un pasteur alors qu'il est en réalité un criminel. Sa place est en prison, a conclu le chef de l'État kenyan. Paul Mackenzie est en détention avec six de ses fidèles. Ils comparaîtront devant la justice le 2 mai prochain. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed annonce mardi le début des négociations avec les rebelles Oromo. Le chef du gouvernement fédéral a choisi la Tanzanie pour mener ses discussions en présence d'un médiateur dont le nom n'a pas encore été précisé. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Oromo, qui est sa région d'origine, est secouée par des violences incessantes. Les forces de sécurité fédérales et locales combattent l'armée de libération Oromo. Le gouvernement et le peuple éthiopien ont énormément besoin de cette négociation, a expliqué le premier ministre. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024. Le président sortant a annoncé aujourd'hui qu'il briguera un second mandat à la tête des États-Unis. « Je suis candidat à ma réélection », a déclaré Joe Biden, âgé aujourd'hui de 80 ans, dans un message vidéo publié sur Twitter. Comme lors du dernier scrutin, il présentera un ticket avec son actuelle vice-présidente, Kamala Harris. Retour au Mali pour parler du grand format de cette édition. Si vous êtes Bamakois, vous avez au moins une fois parcouru cette rue sans savoir qu'elle porte un surnom, celui d'un Tayafa en Bamanankan, qui signifie « je ne pardonne pas ». Cette rue qui va de l'immeuble Nimaga à Raïda a été surnommée par des passagers mécontents des chauffeurs et apprentis de Sotrama qui les débarquent sans arriver à destination. Je ne vous en dis pas plus. Embarquons dans une Sotrama avec Ibrahima Touré pour constat et réaction. Ntayafa, je ne pardonne pas en français, ce n'est pas une simple affirmation mais plutôt le nom d'une rue à Bamako. Elle est située au grand marché de la capitale. L'expression est utilisée par des clients désespérés face au mauvais comportement des chauffeurs et apprentis des Sotrama. Rokiatou Sissé, cliente. Ce carré est surnommé Ntayafa, c'est-à-dire je ne pardonne pas, parce que les chauffeurs de Sotrama n'amènent pas les passagers à la destination convenue. Habillée en grand boubou de couleur verte, la vieille dame d'une soixantaine d'années s'emporte et n'ayant pas d'autre alternative, se met à insulter et à maudire le chauffeur et son apprenti. En rentrant, ils nous promettent de nous ramener jusqu'à Worokourou. Et une fois ici, ils nous obligent à descendre. Quand je descends ici, j'ai du mal à retrouver mon chemin. Tout comme la vieille dame, Fatoumata Djakité se plaint elle aussi des arrêts de Sotrama dans cette rue. Ils nous font payer le transport dans le but de nous amener à Raïda, mais ils nous font descendre au niveau de l'immeuble Nimaga. De là à Raïda, la distance est tellement longue, nous sommes obligés de la faire à pied. Selon la cliente Aminata Traoré, les chauffeurs et les passagers sont tous les deux victimes dans cette histoire. Passagers, apprentis, chauffeurs, chacun est en partie responsable de la situation. Nous, passagers, il nous est plus favorable que les chauffeurs nous déposent à Dabanani plutôt qu'à Wonida. C'est vrai qu'ils nous disent direct à Raïda, mais ce passage est difficile d'accès. Yacouba Koulibaly, chauffeur. Du Karen Tayafa à Artisanat, on peut faire des heures dans les embouteillages. Nous sommes obligés de virer par là pour ne pas subir de pertes. Il faut que les clients comprennent que ce problème ne vient pas de nous. Ça ne nous coûte rien de les amener à Raïda si le passage est bien dégagé.
Les arrêts de sous-traitement à la rue Ntayafa ne sont pas un choix, mais plutôt une obligation, martèle Lamine Daou, apprenti. Le passage est bondé de vendeurs et de marchandises. Difficile pour les chauffeurs de se frayer un chemin. C'est pourquoi il faut descendre les clients ici. Si nous apprêtons ce chemin bondé de monde, nous pouvons faire des erreurs, ce qui constitue une perte pour nous en temps et en carburant. Moulay Idriss Soumaoro, syndicaliste. Il y a de ces clients qui nous insultent parce qu'on ne les amène pas au Raïda et ce sont ces mêmes clients qui s'asseyent au beau milieu de la route pour vendre leurs marchandises. Dans cette situation de déséquilibre, les passagers accusent les chauffeurs et apprentis. Pendant ce temps, ces derniers justifient leur comportement par des difficultés à se frayer un chemin dans cette rue. Le bout du tunnel reste encore loin. Ce générique annonce donc la page sport pour l'anime. Je reçois Sirakatou Sissé. Sirakatou, bonjour. Bonjour, Burama Traoré. 62e édition de la Coupe du Mali de football. Deux matchs sont programmés cet après-midi au compte des quarts de finale. Oui, à Koulikoro, au stade de Mamadou Diarra H, à partir de 16h, l'USFAS croisera le stade malien de Bamako. Du côté de Bougouni, à la même heure, le stade Moussa Diakité dit ITA sera le théâtre du face-à-face AS Black Star de Badalabougou, 11 créateurs de Nyarela. Et le dernier quart de finale de cette Coupe du Mali 2023 aura lieu le 4 mai entre Binga FC et l'AS Real. C'est hier que les Scorpions de l'AS Real avaient validé leur qualification en s'offrant les Olympiens du COB 4-0. Coup de tonnerre hier, le Djoliba AC tenant du titre quitte la compétition. Les Rouges ont été battus par l'AS Bakardjan de Barawili au tir au but. Oui, 3-0. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'un but partout. L'AS Bakardjan de Barawili avait ouvert le score à la 39e minute et le Djoliba AC remettait les pendules à l'heure avant la mi-temps. Comme un après-midi cauchemardesque, le Djoliba AC, détenteur du trophée, rend la couronne dès les quarts de finale. Et Coupe du Mal toujours, mais cette fois-ci au niveau des dames, les Amazones de la Commune 5 se sont qualifiées hier pour les quarts de finale. Elles n'ont pas fait de cadeau à l'entente sportive. Sirakoro Megatana balaye 4-1. Le programme se poursuit demain mercredi et s'achève jeudi. De belles explications entre clubs de première division d'une part et de l'autre, entre clubs régionaux. Au niveau de la Coupe du Mali des dames, c'est l'Aismane de la Commune 4 qui est détentrice du trophée. Enfin, Sirakoto Sissé, un tour en Europe pour parler de quelques championnats. La 33e journée de Premier League anglaise démarre ce soir avec trois matchs. Wolverhampton, Crystal Palace, Aston Villa, Fulham et Leeds, Leicester. En Espagne, la Liga est à sa 31e journée. A retenu également trois rencontres, dont le déplacement du Real Madrid 2e sur la pelouse de Gérone 11e. Merci Sirakoto Sissé. La suite de cette édition dans quelques instants. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Ils ont un seul souci, être utile aux autres et donner du sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit des étudiants maliens à travers le monde. Ils ont décidé de venir en aide aux personnes en situation difficile à travers des actions de solidarité. Pour mieux coordonner ces actions, ils ont créé l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion s'intéresse à cette association. Elle est signée Ousmane Dao. Étudiants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en France, en Turquie et au Mali, ils ont décidé de mettre en place l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique. Depuis 2019, ces jeunes hommes et femmes essaient tant bien que mal d'apporter un appui aux personnes en situation de vulnérabilité, organisent des sessions de formation pour les étudiants de Bamako, mais aussi un soutien constant aux orphelinats. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les orphelinats, on a mis des activités de bénévolat. On a d'abord ciblé l'orphelinat Nyader. Aussi, on a fait des visites au niveau de l'orphelinat Asset de Moutougoula. On fait aussi des formations pour les étudiants sur l'entrepreneuriat. Et aussi, on organise des concours débats universitaires. Pour toujours rester sur la même dynamique d'assister, de soutenir et de donner le sourire aux plus démunis, l'association a quelques projets. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les jours à venir, on compte réaliser des projets
Mais l'orphelinat qu'on compte appuyer de plus, c'est l'orphelinat Assed de Moutougoula. On compte réaliser des latrines là-bas, dans une école qui est un peu éloignée de l'orphelinat. Donc les élèves étudient là-bas et tous les besoins se déplacent de l'école jusqu'à l'orphelinat. On envisage aussi de construire un hangar au niveau de la cour de l'orphelinat, de formation sur les gestes de premier secours. Et on compte faire ça. Puis à Bumako, on voit généralement des accidents qui arrivent et puis les gens n'ont pas de capacité pour intervenir. Ces jeunes qui comptent rester sur la voie du bénévolat souhaitent un accompagnement à tous les niveaux pour continuer de partager leur solidarité. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Absé Traoré. Dossé Baba Diarra m'a aidé à la préparer sous la coordination d'Ousmane Dao. C'était au micro Burama Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Vous retrouverez Baraka Sawattara. Passez d'excellents moments en notre compagnie.